Au service technique de Souffelweyersheim, Florian Lecel prépare la grande cuve. L'agriculteur dépêché par l'Eurométropole a une mission. On m'a appelé à 3h pour passer du sel sur les routes pour que les routes ne gèlent pas et que ça glisse. En vigilance orange grand froid, à Souffle comme dans tout le Bas-Rhin, après une journée de neige, des milliers d'agents sécurisent le territoire. Les agriculteurs font les principaux axes des villages. Le service technique de Souffle emboîte le pas à 6h30. Christian à l'ouverture, avec quelques couches d'habits en plus. Il faut bien s'habiller, c'est la règle première quand on travaille dehors. Après, tant qu'on bouge, ça va. Là, -9, ça pique, là, il va falloir mettre un peu plus de sel, je pense. Et en plus, on a le marché aujourd'hui, on est jeudi, parce qu'il y a les commerçants qui vont arriver, pour que ce soit un minimum propre quand même. À Christian, les pistes cyclables, et Thierry, le marché hebdomadaire, en attendant commerçants et cyclistes courageux. J'ai pas été obligé de prendre des patins à glace ce matin pour venir. C'était très bien. Là, je viens du City Foot et je vais à l'ancien cimetière. École, benne recyclable, cimetière, Franck et Mylène ne chôment pas non plus. Jeudi, les 12 agents techniques étaient sur le pont. D'autres, sous le soleil enfin, profitaient de Souffelweyersheim, à nouveau vêtus de blanc.